Le Rab, on est de retour pour une nouvelle session de VOD. On est de retour pour un jambon peur, pour un curry indie. On est de retour dans ce qu'on faisait à la base sur le stream, le jeu d'horreur. Et plus, et là, particulièrement, on est sur Happy Humble's Farm, qui est développé par Sid Dave Team, qui, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils sont édités par Tiny Build. C'est un jeu qui est sorti le 3 décembre dernier, qui a fait un peu parler de lui au moment de sa sortie, et actuellement, grand monde y joue. Tout le monde est passé sur Poppy Playtime, là, ou je sais pas quoi. Pour l'instant, ça, on le fera peut-être, mais Askip, c'est... Askip, c'est pas un truc qu'il faut soutenir, Poppy Playtime. Askip, Poppy Playtime, c'est un peu... Voilà, enfin bref. C'est qu'il y a tout un délire de microtransactions derrière, pas joli, joli. Enfin bref, so let's go sur Happy Humble Burger Farm qui n'est pas détecté et mon screen qui est dégueulasse, sinon c'est pas drôle. Désolé. Comme on peut l'entendre déjà dans l'ambiance sonore, c'est déjà pas mal deg. Alors, capture de jeu par contre, hop. Happy. So let's go. Happy Humble Burger Farm. Nouvelle partie. Il y a un mode infini. Tous les rats du King Comfort ont déménagé pour s'installer chez Happy Humble Burger Farm. Quoi? Ah non, 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 on m'a dit que c'était en français, moi. On parle de contrôle mental. Genre, on aurait une puce de contrôle mental dans la tête pour travailler au burger... au fast-food. D'accord. Bonne ambiance. What is a burger à part une petite pile d'ingrédients? Alors, ça a complètement bugué. Alors. Continuer, ok, let's go. Bien sûr, en QWERTY. Commencez par passer un pain du dessous sur le plan de travail. D'accord, alors. Pain du dessous, c'est pas ça qu'il me faut. C'est où le plan de travail? C'est ça là? Commencez par passer un plein. Puis ajoute une portion de chaque garniture. Il y a beaucoup de garnitures. Beaucoup de garniture, il n'y a pas de viande ni rien. Tu te prends un steak haché, cuis-le et place-le sur un hamburger. Comment je sais qu'il est cuit? Change de couleur à un moment. Chelou partout. Ça, c'est marron, c'est que c'est cuit, on est d'accord. Ouais, c'est à peu près cuit. Ajouter le pain du dessus, hop. Il ne ressemble à rien ton burger. C'est l'inverse qu'il faudrait faire normalement. Toutes les commandes doivent être servies dans un sac. Alors attention, on a oublié, fort heureusement, ce client n'est pas trop exigeant. Interagir avec les sacs posés sur le plan de travail. Remarque, une fois une commande mise en 5, impossible de revenir en arrière. Ne te trompe pas. Mets le hamburger du client dans le sac. Actionne la cloche pour libérer le sac.
Serre-le en le jetant sur le client. Ok, tiens. Oui. Happy n'est pas heureuse quand même. Que quand tu fais bien ton travail, si tu te trompes dans des commandes ou si tu as un mauvais an. Ok. Utilise ton manuel d'employé. Nous te recommandons vivement de prendre le temps de consulter ton manuel d'employé et appuyer sur table à tout moment. Travailler pour Happy Humble Burger Farm confère de nombreux avantages. Mais ne t'attends pas à ce que ça rende ta tâche plus facile. Gérer un restaurant, c'est un travail à temps plein. Appuie sur le bouton manuel pour continuer. Introduction à ta première journée au fonctionnement du restaurant et sa direction. Ok. Bienvenue, nouvel employé. Si tu lis ceci, félicitations, ton recrutement est désormais effectif. Lis ce manuel pour commencer sur de bonnes bases. Prends des steaks hachés surgelés, mets-les sur le grill. Sur le plan de travail, place un pain dessus, une portion de chaque garniture. Pour le menu Happy Humble, d'accord, ok. Ajoute ensuite un steak haché de bœuf pour faire un happy de luxe. D'accord. Une tranche de poitrine pour préparer un poppin' pork. Ok. Ou un bon morceau de police si on t'a commandé un Fantastic Fall. Ok, poppin' pork, alors Fantastic Fall. Pourquoi? Pourquoi du poulet? Quel rapport avec le poulet? Nuggets de saumon frit. Vide un sac de frites ou de nuggets de saumon. Puis mets le contenu dans la friteuse, attends que ce soit cuit. Ensuite, mets le tout dans un panier réchauffant avant de servir. Ok. Mets-les au four. Tourte chaude et cookies. On les servir, appuie sur le bouton rouge pour allumer le four. Two each in the oven at time. Deux en même temps. D'accord. Always have a song of boss made. A song of boss made. Toujours avoir les deux de fait au cas où. Remplir le gobelet en fonction de la commande et serre le client. Ok. Rôle des employés. Comme tous les employés de Happy Humble Burger Farm, tu dois servir le client en leur offrant ce qui se fait de mieux. Les meilleurs ingrédients à ton plus beau sourire. Arrive toujours à l'heure au travail. Tu dois venir au travail par tes propres moyens. Pointe au début de ta période de travail, encore une fois quand elle se termine. Allume ou éteins la lumière et les appareils et retourne la pancarte ouverte fermée. D'accord. Ok. Réponds dès qu'un superviseur t'appelle. Do not miss that call. Les vagues que tu prépares doivent répondre à nos standards de qualité. Tu es responsable de toutes les transactions. Il nous regarde. Veille à ce que le restaurant reste propre. Nettoie bien tout et occupe-toi de la maintenance. Si tu faillis à tes devoirs, tu dois recevoir un blâme. Pour en mettre un terme définitif à ton contrat. I could draw better than... Je pourrais dessiner mieux que ça. It, mate. Hate. I can... J'en peux plus de sourire. Who's the manager? Tes périodes de travail seront évaluées en accord avec notre système d'infraction. Et tes performances seront jugées en fonction de ton efficacité et de la qualité de ton travail. D'accord. Bonus. Les employés efficaces peuvent accomplir des tâches bonus avant de pointer en fin de journée pour gagner une prime. D'accord. Turn the drive-thru to get more customers. It could be you. Nous t'encourageons à dépenser ton argent humblement. En allant par exemple au café, à la pharmacie, au musée ou encore chez le prêteur sur cage. Ah voilà, ils travaillent tous pour nous, t'inquiète. C'est... Non, t'as pas de réduction. Garde le sourire en t'offrant de la musique, des objets divers, des mugas en édition limitée et tout ce que New Elisa a à t'offrir. Et n'oublie pas, j'ai appelé un bal, on fait tout avec le sourire. One gas in cool, but it's hard to find feel bad. Hey, follow the rule. Ok. Profite de ton temps. Ah. Ça avait pas l'air d'être là-bas. Main door, home, deux tables à l'extérieur. Don't get trapped in air, ok. Le playerta, ok, ça pue ça ce truc. Ça, c'est la zone des jouets, mais ça a l'air infernal. Les toilettes, manager, le bureau du manager, grill, shopping, prep, onion. Nombre total de pas effectués. Nombre total de jours travaillés, ok. Il y a une citrouille pour qui a une citrouille chez lui. Même si c'est Halloween, tu la mets pas comme ça. T'as... Tu ne ressens pas la main. Interagir avec le monde. Essaie d'ouvrir la porte et de prendre un communicateur dans le couloir. Il est dégueulasse mon t-shirt. Commande, prends une barre protéinée dans le frigo, mange-la en appuyant sur interagir.
Quoi ça? Un steak ça? Ok, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Happy Humble with a action figure. J'essaie de voir des trucs. Hein. C'est insupportable ce bruit. Ton patron te contacte de temps en temps, écoute bien ce qu'il a à dire. Il est bizarre mon patron. Merde, c'est pas ça que j'aurais dû faire. On dirait qu'il y a quelque chose de l'autre côté. On dirait qu'il y a un autre salon. Il peut y avoir que 4 objets en même temps sur toi. Ouais, bah écoute. Il connaît pas le code. Surveille bien ta santé et son énergie. Si tu commences à en manquer, prends un café ou de la nourriture à un distributeur automatique. Ok, peut-être qu'on les saura plus tard. S'il y a des digicodes, c'est qu'il y a moyen de... Il y a moyen de moyenner. Hein. Bonjour. L'argent est très important. En cas de doute, va travailler. Il me semble avoir aperçu un billet derrière le distributeur automatique. Bar Humble XL. Conserve de luxe, conserve de luxe périmé, Charlie Poulizen. Une fabuleuse figurine. Ah, c'est des figurines, ça? Préparer son repas chez soi. Ah d'accord. Ok, j'ai trouvé 20$. Ok, bah let's go. Louer soit le pain à burger. Voilà. Oh. Y a un incendie là. Normal. Il y a eu une émeute il y a pas longtemps. Ouais, ouais, ça deviendra un paradis un jour. Et qu'il y a tout le potentiel. Il m'a dit qu'il faut que je prenne un tunnel creeps. Creepy un peu, c'est ça qu'il a dit. Donc j'ai une lampe torche, tout va bien, on se balade toujours avec une lampe torche dans ce genre de jeu. M'a dit de prendre le tunnel. Happy Humble Burger Farm, ok. Tout va bien dans cette ville. C'est une ville tout à fait normale. Pour l'instant. Petite consigne pour ramasser le caca. Toujours important. On croit que je vais les agresser après si j'insiste trop, je sens. Bonjour, vous allez bien? Bah les couilles. Ils s'en foutent comme dans 40 que je leur parle. La route est fermée. Happy Humble Burger arrière. D'accord. Ok, prendre le tunnel creepy. Ok, j'avoue, il est un peu creepy. Tout petit peu. Aucun établissement ne vaut le King Confort. Il y a presque plus d'insectes ou de rats que dans les chambres. Ok, donc ça c'est chez nous. Enfin, chez nous. Ok. Une sorte de pixou canard. Stealing the product.
On va pas aller se balader là-dedans tout de suite. Voilà. D'accord, calmez-vous. Lui, il a l'air démoniaque, hein. A wooden compound? Oh yeah, man! Crazy, man. We left the barn to like escape tyranny, not create. I'll help you fast, happy old pal. Qu'est-ce que c'est ça? Get your stinking nets, hooks and worms out of my face. Du poisson, quoi? Une sorte de poisson chelou. On a un wombat. Pardon, hors service. Ils sont dans un sale état, nos chiottes. Alors, fais voir une petite musique. Attends, je rêve où il y a quelqu'un qui vient de casser toutes les vitres. Et toi, t'as bougé, toi ? Salut. Many have fallen by my side, and still many more. Ça, c'est très très angoissant l'ambiance générale du coin. Hein. Alors appuie sur la touche manuelle pour apprendre les ficelles du minitier avant d'ouvrir le restaurant. Ouais. Allume ou éteins la lumière, les appareils, retourne la pancarte. Ah mec, y a toutes les fenêtres qui soient cassées là d'un coup. Imagine un ordre fort. Amélioration du grill. Amélioration du grill 2. Amélioration des boissons, amélioration du four. Il te faut des jetons. Ah d'accord, j'ai rien du tout. Bonjour. De nouveau. D'accord, ok, il est bien chez père. Grab some meat from the freezer, turn on the power and grill up, assemble the sandwich, bag it. Lui, ça va relancer les commandes de sandwich. D'accord. Cette machine ne fonctionne pas encore. Out of order. Strawberry jacuzzi. Ok, ça devrait soit être les glaces. Ouais, ok, bon, déjà pointons. Tu peux allumer un appareil que durant ta période de travail. Ok, kitchen light. Sprinkler. Ah, excusez-moi. Parce que j'appuie sur tout. Les steaks sont un peu mouillés. Sandbox on backdoor. Last box on selling, return to work. Vas-y, je comprends pas tout. Ok, je dois chercher. Stay ici, Selena, take care of yourself. Don't be. Ne sois pas un idiot. Fries. Salmon, cookies. Tarte aux pommes. Une bombe là-dedans? Ils veulent qu'on mette une bombe là-dedans? C'est ça qu'on est en train de me dire? Tout va bien, l'autre il se balade. J'ai toujours plus de vitres? Ah non, il n'y a plus de vitres. Hein. Ok, on est ouvert. Je pense qu'on est ouvert. Ok, maintenant on attend. On attend les commandes. Oups. Bon, je fous un peu le bordel, hein, mais... J'ai un peu perdu, hein, pour l'instant. Je sais pas grand-chose du jeu. Je vais boire un coup avant que ça se lance.
Ok, let's go de client. Fantastic Fall, sandwich, no onion. Fantastic Falls. Alors, et les pains, ils sont où? Ça c'est le gris, ça? Allumage des tu dois allumer les appareils. Et comment je les allume? Merde. Bon, c'est allumé? Ok, c'est bon, c'est allumé. Ok, c'est allumé. Ok, donc là, je fais un pain comme ça. Hop, hop. Je sais pas si je l'ai mis. No onion. Ah. No onion, tac. Et pour l'autre, c'est quoi? Moniteur de la commande. Il est prêt, là? Ouais, il a l'air prêt, Ok, mais il a l'air à peu près correct. Fantastic Fall, no onion. Faut que je lui balance dans la gueule? Ouais, je lui balance dans la gueule. Ok, ensuite. Ok. Pogging pork sandwich. Ok, ça je sais faire. Hop. Donc ouais, le temps que ça cuit. Toi t'as l'air de vraiment de servir à air. Je suis le seul de... Hop. J'aime bien faire des petits ricochets avec la nourriture avant qu'elle finisse dans une assiette. Il y a qu'une commande pour l'instant? C'est long. C'est cuit ça? Ça a l'air cuit hein. Je crois que c'est cuit hein. Hop là. Il m'a l'air bon. Allez madame, tenez. Suivant. C'est un petit fast-food local. On a du monde qui met un pogging pork sandwich, no cheese. Mais qu'est-ce qu'un burger sans fromage? Bah un burger. Pogging pork sandwich, no cheese. Hop. On est d'accord, c'est deux feuilles de salade résultat. Hop. No cheese. No cheese, hop. Il est cuit là? Il est pas du tout cuit. Il est pas du tout du tout cuit. Bizarre, une minute deux. Putain, je croyais qu'il... Oh, ça va être long. Ça te fait marrer toi? T'as vu ta gueule là? C'est vrai que tu t'es pris 6 pare-brises d'affilée. Tu pleures ou tu rigoles? Ah, tu sais pas? En restant 1 minute 19. Hop là. Allez, suivant. J'ai du monde. J'ai du monde de ouf. Pogging pork sandwich, no onion. Ok. Je peux en cuire plusieurs, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pogging pork sans oignon. Hop, deux tranches de salade. Hop là, résumé fin de journée, temps restant. C'est juste pour cette commande? C'est à ce moment-là que
Le restaurant va fermer. J'ai entendu un bruit chelou. Ok, on a... Tu as fini ta journée de travail, bravo. J'adore mon job. Finir votre première période de travail. Ok, il y a tout le monde qui s'est... C'est parti. Employé du mois. C'est moi ou c'est un développeur? I give a bonus to any employee that completes the stacks. The DOS. Daily duty. Ok, y'a rien. Rien du tout. Je crois qu'il faut que j'éteigne toutes les lumières. Avant de me casser. Et que je ferme tout. Et que j'éteins tout. On va dire que c'est éteint. Je suis un bon employé. En fait, j'ai peur qu'il y ait un truc qui me saute à la gueule et qui veuille me casser la gueule dès le début, quoi. Et où l'autre? C'est pas rien, l'autre. Yo, Johnny? Bah alors? Qu'est-ce que tu fais dehors? Wow, ah, tu es toujours la même envie, non? Ouais, mais moi je veux rentrer, là. Tu veux pas rentrer? Ok, ouais, bon, bah, je te laisse dehors, hein, comme t'as l'air d'être un con. Faut que j'éteigne toutes les lumières, ils m'ont dit. Je sais pas où sont toutes les lumières. Alors, les lumières d'ici, ils sont où? Eh, Jean-Michel? Ok, vas-y, t'es toujours aussi chelou. Je trouve pas la dernière lumière là. Bon, j'ai éteint toutes les lumières en tout cas. Peut-être de dehors. Et taper ta souris partout, c'est horrible. Bon, de toute façon, ça sert à rien que je cherche à fermer les portes. Hein. Soyons honnêtes. Ça a changé Half-Life. Coucou Hugo. Comment on va? Ah bon, et c'est vrai qu'il y a un petit mood un peu rétro. Hein, Il y a un peu de tout. Il y a un truc, il y a un côté un peu des mecs. Et le jeu est bien sorti en 2021, mais moi j'aime bien. Hein. Ok, bon, bah cassons-nous. What the fuck? Je suis sûr qu'il était venu là, mais... Je les ai lus. Je vais ranger ça un peu aussi. Ça, je pense que je peux le jeter. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à acheter? Pourquoi il y a des briques partout? C'est quoi ce délire avec les briques? Là, je vais tout jeter. Dans la poubelle, lui il est toujours là. Mais c'est quelqu'un qui nous aurait lancé ça là, les briques? C'est pas clair. Et surtout un côté G-mode. Ouais, G-mode c'est quand même un peu plus beau. Hein. Ouais, non, non, là c'est vraiment des textures très particulières. Ouais. Ok, je vais prendre la figurine et je vais me casser, moi. Il est toujours là, l'autre? Ouais, il est toujours là. Ok, je prends cette figurine et je me barre. Au revoir. Trop flippant de bosser ici, quoi. Il y a un délire comme quoi on aurait une puce dans la tête pour nous contrôler, mais on sait pas si c'est Nelly ou pas. C'est difficile d'avoir une vue d'ensemble quand on se retrouve derrière une pile de hamburgers. Rentrer à la maison, alors let's go rentrer chez soi. Non, Gmob ça utilise le moteur de Half-Life, c'est quand même un truc... Ah, il y a d'autres endroits à visiter. Oh, c'est quoi là ici? Ronaldo Muscle, CNG... Qu'est-ce que c'est ici?
Tout est glauque dans cette ville. Bonjour. Tu peux acheter des choses intéressantes ici. Ah ouais? Je vois rien d'intéressant moi pour l'instant. Bonjour madame. Il y a des piles, des circuits imprimés, des barres, une sorte de mini appareil photo polaroid, une lampe. Bonjour. Vous voulez pas me parler? Ah non. Sell your engine for quickish cash. Ah bonjour. Steven, c'est... Appuyez sur le touche du manuel pour cesser d'écouter l'enregistrement. Radio et objets exotiques. Ah oui, d'accord, on n'a pas le droit de revendre des trucs. TV à écran plat. Bombe de peinture rouge. D'accord. Jack-o'-lantern. Vieux vase. Appareil photo usagé semblant encore en état de marche avec fonction d'impression pour sortir des propres photos de chez soi. Objet mis au clou. Pile Bobocell, gadget favori, manque d'énergie. Aucun problème, la Bobocell est une... La Bobocell. En vrai jus de bobo. Ton épicerie qui a une gueule de boutique SM. Ah, c'est à peu près ça. Une épicerie, c'est plutôt un Conforama SM quoi. Le plus délicieux des barres nutritives. Ok, puce émettrice. Cette puce est vraiment utile si jamais ta radio cesse de fonctionner. Elle ne peut quand même pas servir à autre chose si. Radio portable de jogger. Tu as envie d'écouter la radio de Nuno Elysian n'importe où. Maintenant c'est possible. Apporte ce petit gadget au boulot. Humble numéro 27. Il y a tout un délire autour de collection de figurines. Bonjour, je vais vous prendre du lubrifiant avec l'épi et la citrouille. Est-ce que vous avez reçu la nouvelle lampe Duchten Nymphlouche? Non, pas encore. Ah putain. Elle irait trop bien à côté de ma collection de God. Medicat Blackmore. Qu'est-ce que c'est? Trois photo horse. C'est quoi ça? Non, je viens de payer 10 balles. Je viens de payer 10 balles là. On vient de me prendre 10 balles. Et moi, je suis qui là? We know it's crazy. Oh, pas, you lose your. Yes. Super casino. Putain, le seul truc. Ouvert, c'est une boutique de meubles SM, quoi. Ok, ça, c'est l'infirmerie. D'accord. Oh, on me dit t'as le droit de te balader avant de rentrer, moi je me balade hein. Oh y'a petit club Jazz Lounge là ici. Bonjour, bonsoir, c'est Bob Lennon. Salut à tous, c'est Fanta. Trouver un objet à collectionner. Là je pourrais le regarder, l'admirer dans mon appart. Ok. Triple Jesus Express. Café triple de crème. Ok, ok, ça c'est là où je peux trouver du café. Bonjour. Pas très causant les gens dans le coin. Jazzy Javi. Point. C'est pas une lampe torche. Excusez-moi. Bonjour. Ah, j'ai un peu peur du noir, donc au cas où il y a une coupure de courant, je reste comme ça. Non, je suis pas de la police. Comment tu t'appelles? Oups, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je peux ramasser ça? Je peux le lancer à la gueule? Ouais, je peux le lancer à la gueule. Mais t'es un peu en train là, je veux que ça swing, je veux que ça groove, regarde là, t'es fixe sur tes appuis là. Balance-moi ça, t'es bassiste putain, t'es pas connard. Pff. En plus vous êtes résistant aux objets qu'on vous lance, bah encore heureux. Mec qui arrive dans la ville, qui va dans tous les restos, tous les bars, et à chaque fois il casse des trucs. Détesté par tous, et il fait mais je comprends pas pourquoi tout le monde me déteste. Bah, je sais pas, peut-être parce que tu casses tout. Chercher un autre accès. Je cherche un autre accès. Il y a des trucs dans les poubelles? Ah, il y a des trucs dans les poubelles. Lighting dims and goes red, and an
Un genre d'enclos autour du restaurant. D'accord. Encore le confinement, ouais. Yes. Et c'est qui Joy? C'est le cochon? Coucou Epsilon, comment on va? Alors pour l'instant je me balade hein. Beaucoup trop de véhicules de police et de pompiers hein. Et de camions. Et sinon dans cette ville, il y a beaucoup de processeurs. J'entends des bruits chelous. Bon ça va tranquille, nouveau jeu là, on découvre ça en direct, en live, en radio, en streaming là. Tout de suite, tout de nom. C'est maintenant Legacy Lannon Buriengrund. Vous êtes cimetière ici? Ah, ils ont mis un cimetière. Ça pue ça. Ok, ça c'est le cimetière ça. Ok, d'accord. Yes. Yes. Donc on n'est pas loin du cimetière. Qu'est-ce que tu portes dans ta main? Alors c'est une figurine que j'ai trouvée chez moi. Je la ramène. Bonjour! Vous baladez souvent dans le cimetière, vous aussi, la nuit, avec une lampe torche? C'est bon, pas personne veut me parler ici. Un peu abandonné, la morgue. Oh, ça a l'air immense, le cimetière. Où est Buffy? Non, c'est un être humain, tout va bien. Hein? J'ai vu un truc, là. Non, c'était une feuille. Qu'est-ce que c'est ça? Un objet à collectionner. Admire-le autant que tu veux dans ton appartement. Ok, ok. Je me balade, hein. Toujours. Alors, le seul truc qui me frustre avec la figurine, c'est que je peux pas la regarder. Je suis très content de l'avoir trouvée, mais je peux pas la regarder là tout de suite. Oui. Zone secrète. Je dois trouver le moyen de faire sauter ça. Ok, bon. Marc, il y a un emplacement de bombe encore, comme la dernière fois. Comme au fast-food. Un petit côté Zelda. Tante Shackleford, 24. Elle est morte jeune ta tante. Levan Tiagi, 21 ans. Ok. Je sais que j'ai regardé que deux personnes mais... Et à bombardé sur des robots clients et ont fusionné avec la chair du modèle Peter. D'accord. D'accord. Alors ça nous parle de trucs qu'on va peut-être rencontrer. Par contre j'ai appris... Est-ce que tout le monde... 27. Tout le monde est mort jeune dans ce cimetière un peu... C'est jeune pour mourir en 27, 24 et 21 ans. 17. Ah 17 c'est jeune aussi. 15. D'accord. Et pas d'autres plaques là. Il y avait quelqu'un d'adulte qui est mort. J'ai entendu quelqu'un qui respirait derrière moi. 78 ans, ok tout va bien, c'est un cimetière normal, c'est juste qu'il y en a quelques-uns, ils ont un peu abusé au fast-food. Coucou. Alors ça coûte trop cher l'éclairage public dont on a donné une lampe torche aux citoyens. C'est ça. Ça fait des économies hein. Ah, il y a quelques lampes. Bon pas ici. Là quand tu vas dans le cimetière, ici tu tapes un petit flip, tu vois, parce que le bureau doit être... Voilà, morgue est abandonnée, quoi. Coucou, Seth, j'ai une question sérieuse à te poser. Ouais, vas-y. Fais donc. Comment on va, sinon, Wolf? Est-ce que ton élevage de patates va bien? Et je suis perdu, hein. J'ai commencé Stardew Valley sur Switch. C'est bon, c'est fini, hein. J'élève des panais. Et j'éduque... des citrouilles. Vache, toute notre viande sont nous appartiennent. D'accord. Oh là, c'est qui a pissé dans le couloir, là? Les gros dégueulasses, là, putain. Je voulais savoir
Si j'avais ta perle pour te mettre dans mon gros, dans mon menu. En gros, c'est un salon où je mets une photo de toi, mélangée à de la bouffe. Oui, il y en a vite pour toi. Attends, quoi? Je suis pas sûr de comprendre. Si quelqu'un a compris, hein, n'hésitez pas, hein, je suis un peu neuneux sur les bords. Ok, those rooms don't sleep, don't open sleep inside. Bonjour monsieur. Vous êtes un peu oppressant. Non, j'essaie pas de rentrer chez le voisin. Attends, c'est où que j'habite moi? Ça là? Non, c'est pas ici. En gros, c'est un salon sur mon serveur Discord. Et tu voudrais nommer un salon avec ma photo si tu veux. Beef pork, fry and nug. Qu'est-ce que tu veux toi? Je vous l'apporte des gens comme toi. Non mais où tu t'es... Et donc tu voudrais renommer un de tes serveurs Discord de mon nom, c'est ça? Obscura Family Programming. J'ai pas de sous-titres. Ah, ma mère m'a toujours dit de me rapprocher de la télé si je voyais pas. C'est une chaîne qui est dirigée par des gens qui font du LSD. Les producteurs de LSD approve. J'ai déjà une figurine. Tu vois, ça c'est une figurine, mais je sais pas quoi en faire. C'est une peluche. Je crois que c'était un dessin, mais. Take us from television appeal into your earth. Ok. C'est quoi ça? Ah, c'est les cassettes que j'ai trouvées, d'accord, chez moi. Pourquoi il y a une porte chez moi auquel je ne peux pas accéder? Un peu chelou. Qui ce mec sur mon bar? C'est mon père. Obscura Programming. Passe des trucs chelous chez moi. Ah ça y est, je peux accéder dehors. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai trouvé un jeton. Aïe aïe aïe. Utilise-le pour améliorer ton restaurant. Test sujet. Ok, ça c'est ma pièce à truc trouvé, c'est ça? Who am I? What is my name? E17 or E7 or happy? Ok. They draw power. Ils prennent l'énergie des volcans, I think. Je pense qu'on est sur cette île. Nous ne sommes pas tout seuls. These people are seeing gains the facility. Ok. Bon, bah, on va finir notre journée, hein. Oui, c'est censé être un menu, mais au lieu de mettre des plats, c'est le nom de plat mélangé à des pseudos de Twitch. Si tu voulais être de... En gros, c'est une pub. Oui, je suis pute. Fais ce que tu veux, hein, parle de moi, vas-y. Tu dis que je suis le pire des streamers. Vas-y, mais oui, y a pas de problème. Hein. Tu me montreras ce que c'est, exactement, quand même. C'est dangereux de cuisiner seul, regarde ce pauvre tôt. J'ai pas une... Il y en a une qui vient d'apparaître là. Il fait jamais jour dans cette ville. J'ai l'impression qu'il fait jamais jour. Hein. Donc là on reprend notre journée. Attends, ça j'ai déjà écouté ou pas?
Ouais, ça j'ai déjà écouté ça. Je peux me faire un petit burger là comme ça, je peux le manger cru. J'ai faim. Attendez, je vais le remettre au frigo. Ouais, il avait l'air... Il est passé d'avarié à cru, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Ça peut être juste quelqu'un dans ma tête. Il se passe encore des trucs très chelous à la télé. Hein. On dirait moi quand j'essaie de faire de l'animation. Ok, bon bah let's go. Hein. Le voisin est très creepy. Hein. De toute façon, ça craint un peu comme bâtiment. Le papier peint est moche. Le sol, il est pas lavé. Regarde s'il y a pas de nouveau des pièces de 10. Il y a des bruits de partout. Ok. Tout va bien, monsieur. Il a l'air très content aujourd'hui. Je vais pas la prendre, ça. Je vais pas la prendre. Oh, petite pizza, là. Un peu à manger, là, avant de partir au boulot. J'aurais pas dit non. Oui, oui, une pizza trouvée dans la rue. Hein. Bah, ça se mange, hein. Bonjour monsieur, je vous suis hein. Attends, il disait d'habitude il y a un bus. Et le bus il était en panne. Parce que si je peux ne pas y aller à pied. Moi je dis oui hein. Bordel, il y avait ces trucs de terre devant chez moi. Je me souviens de rien. Ce bâtiment est immense, je viens de voir ça. Regardez très devant moi. C'était loin. C'était loin de fou. Là, je peux toujours pas y aller ici. Je peux pas y aller ici. Est-ce qu'à un moment, on aura une voiture? Petite moto. Ah, il y a un chantier ici. Mais il y avait pas de chantier hier. Non, c'est juste une grue pour les... Pour des stocks. Ok, ok. Bon bah let's go aller au boulot. Hein. Dans cet endroit, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça, les bons clients ou à pire, ils... bien les clients où j'ai pas eu le temps de lire. Ouais. Ah ouais, ça serait bête parce que genre moi j'ai besoin d'argent pour vivre. J'aimerais bien ne pas perdre mon boulot. Ok, la cuisine est éteinte. Alors, je pense qu'il faut que je pointe. Pick up and dispose trash in lobby. Ok, que durant ma période de travail. Pick up and dispose of trash in lobby. Amélioration du gris, je sais pas ce que ça représente en fait ça. Amélioration du four, temps de préparation rallongé. Durée des événements rallongés. Temps de préparation rallongé. Ah d'accord. Ça marque juste que... Ok, c'est pas clair. Alors, pick up trash. Ils m'ont dit de récupérer les... Truc dégueulasse, ça a l'air dégueulasse. Ça, je pouvais pas le jeter hier. Ça est là comme ça, là. Si je le mets là comme ça, là. Ça veut pas rentrer, hein. Qu'est-ce qu'il y a ?
Oui. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Y'a pas une autre poubelle? Voilà, y'a une poubelle, ça je peux jeter ça là-dedans. Ah, ok. Et donc là j'ai réussi. Là j'ai nettoyé les... Ok. Ça c'est toutes les tâches à la con. Pick up and reset trap trap around... Ok. Tout ce que je dois... les pièges à rats tout à l'extérieur. Ok, ça je l'avais pas fait hier. Hop. Il y a beaucoup de rats quand même près d'ici. Alors tu me diras, c'est une grosse source de nourriture, mais... Hop. Le dernier. C'était pas le dernier. Ok, ça c'était le dernier. On est un bon employé. Par contre, je suis pas du tout prêt pour les nouvelles possibilités de commande. Move delivery near backdoor to indoor shelf. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Il y a quelqu'un qui a frappé, mais quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Tout va bien. C'est normal. Bah les couilles de ce qu'il y a dedans. Hop. Hop là. Je suis un bon employé. J'ai déjà pointé. Retourne ta pancarte à l'envers. Ah, ok. Ok, j'ai fait les tâches bonus. Il n'y a plus qu'à ouvrir. L'autre il se balade, hein, tout va bien. J'aime pas, ces poupées sont ultra creepy. Au final, celui qui est censé être le plus effrayant, c'est celui qui me rassure le plus. Parce qu'il bouge. Comment je sais... Je sais à quoi m'attendre avec lui. Beaucoup de jeux de bouffe en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Ravenous Devil était déjà... C'était déjà un peu ça. Je me suis dit, j'y ai pensé. Bah à la base je voulais faire Backroom 98, puis il y a Sheke qui m'a fait non, fais pas Backroom maintenant. Donc j'avais Happy Humble Farm qui traînait. Mais c'est un jeu d'or, hein. Là ça se voit pas, là j'ai l'air très détente, je fais mes petites tâches et tout, on est en train de faire des hamburgers, mais je sers du cul énormément. Hein. L'ambiance est un peu pesante. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Fries, Poppin' Pork Sandwich number sans oignon, Salmon Nugget, Shake. Fries. Ok, alors fries. Fries, poppin' up sandwich, poppin' pork sandwich. Fries, fries, c'est où? C'est là-dedans? Comment je... Vide ton sac de frites ou de nuggets de saumon. Je mets le contenu dans la friteuse. Ok. Fry, et là il veut un shake. Il veut quoi là? Temps de préparation allongé, 1,30 secondes. Current order, fries, poppin' pork sandwich, oignon, salmon nuggets. Et des nuggets de saumon. Je sais pas du tout. Ok. Ah! Ah! C'est des problèmes ça. Voilà, c'est bon, il y a trois commandes, je suis perdu. Poppin' pork. Ok. Comment je les récupère? Alors, hop, hop. Il en veut un sans oignon. Bah c'est fou nu. Popping pork sandwich sans oignon. Hop. Ah, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Hop. C'est le moment où je vais saigner du cul, c'est ça?
Popping pork, ok. J'ai vu un truc qui craint là. Ok, et j'ai les frites, mais les frites j'en fais quoi là? J'en fais quoi des frites? Je les ai les frites, attends. Attends, qu'est-ce que je dois faire avec les frites? Mets le contenu dans la friteuse, ensuite mets le tout dans un panier réchauffant avant de servir. Un panier réchauffant? C'est quoi le panier réchauffant? Trop long pour livrer une commande dans la salle. Fries, popping pork, sandwich, salmon nuggets. C'est quoi le panier réchauffant? Un panier réchauffant? Ça là? Je comprends pas. Je dois avoir un truc, mais je loupe tout. Ah putain, ça va là-dedans. Ok, je suis un connard, c'est pour ça. Ok, d'accord, ça va là-dedans, ça s'est fait. Hop. Ok. D'accord, tout va bien. Tout va bien. L'interrupteur est coincé, utilise la lampe torche. C'est ça qu'il me veut ? C'est ça là-dedans ? Soft drink. Ah merde ! Bon bah écoutez, tenez. Ah ! Ah ça y est, c'est la merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour mon cul ? L'interrupteur est... C'est la merde. Ok, c'est... Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. L'interrupteur est coincé. Ok, et qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est le moment où je meurs ? Trop lent pour livrer une commande de la salle, trop lent pour livrer, mauvaise commande livrée à un client de la salle. Ok, j'ai le droit à 3 erreurs, sinon c'est la fin pour mon boule. Ok. Martyrise la touche sautée pour s'enfuir. Et je dois faire quoi là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me casser? Ça se voit, c'est creepy. Je peux pas me barrer. Ah putain, la barrière dont il parlait. Coucou. Ah putain, à m'aval par le dos. Ah yes. Et je dois faire quoi là maintenant? Ok. Je viens juste dire bonjour avec le... Je peux pas que j'ai 4G, je suis... Ok. Bah bonjour, au revoir, Babouche, comment va? J'espère que tu vas bien. Alors beaucoup de jeux de bouffe, ça se voit c'est creepy, tu te plantes de commandes, tu voulais porter de l'enfer, une allégorie du capitaine. C'est ça, c'est... Y'a Karen qui débarque. La représentation des Karen, c'est un... Ok, mais je dois faire quoi là? Alors j'ai envie de mourir parce que je sais pas ce que je dois faire en fait. Et y'a Gary qui est toujours là, qui se dit qu'il va bien. Bon, je vais me laisser mourir. Mal et toi? Bah écoute, ça va. Même si j'ai tes grands-parents, ça va pas. Tant mieux. Ok. Alors par contre, je sais pas ce que je dois faire quand c'est la merde comme ça. Ok, on reprend... On reprend là où on était, on reprend juste avant, donc je dois tout refaire, c'est ça. C'est ça qu'il va me dire. Donc, les poubelles. Alors, les cartons, les poubelles. Ouais, les cartons. Hop. Les cartons. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que... Il n'y avait plus de gravité d'un coup. Bon, peut-être à demain.
Vas-y, à demain, babouche. Prends soin de toi. Ok, alors maintenant... les tapettes. Hop. La dernière. Ah non, la dernière. Ça c'est fait. Maintenant les détritus un peu partout. Il y avait ceci. Ceci. On va même pas voir c'est quoi. Ah, ça va Bobby? Il va bien Bobby. Et si j'irais pas... Est-ce que je devrais pas aller dans ce machin là? Dans le truc géant là. Dans le toboggan. Ok, ça c'est pour les petits trucs. Et il y a... Et le gros truc, c'est la grande poubelle. Ça je peux? Non. La grande poubelle, elle est où? On va dire que c'est celle-là, si je me souviens bien. Voilà, ok. Ok, ok, je suis à peu près ready. Alors, le shake, ça doit être ça. Shake and soft drink. C'est marqué en gros ici, mais j'étais trop nul. Temps de préparation allongé, une 30 secondes de plus pour livrer les commandes. Ok, c'est parfait. Ok, let's go ouvrir. Essayons de ne pas énerver... Madame la vache. C'est ouvert, on est d'accord. Bon bah y'a plus qu'à attendre. Ah bah attendez, j'ai les frites et bacha. Je peux les faire d'avance. Ah oui bah attendez, faut que j'allume ça. Ok, j'ai galéré à les mettre. C'est quoi là? C'est les frites que j'ai lancées là ici? Ah, ça c'est les frites. Non, ça c'est les nuggets, donc ça je m'en fous. C'est les frites qu'il me faut. Ok, les frites. Et là, il veut quoi? Résultat, faut vite se dépêcher. Soft drink, popping pork sandwich, ok. No onion. Soft drink, deux soft drinks. Casse-toi là, tu me saoules. Tac, tac. Un peu de salade. Tout ce que j'ai testé. Hein. Hop. Ça c'est en train de cuire. Les soft drinks. À l'image des appareils. Pourquoi ça marche plus? Ah ça marche plus. Oh, mais merde. Mais c'est arnaque. Ah putain de fast food hanté. Moi c'est combien de temps? Minuteur de commande, 1 minute 17. Ouais, ça va, ça va, ça va. Je devrais être cuit. Hop. Hop, hop. Et voilà. Un sans oignon. Et une deuxième boisson, et voilà pour madame. Monsieur, j'ai pas vu qui c'était. Attends, je me suis pas gouré. Non, c'est bon, je me suis pas gouré. Ok, let's go. Hop, ok, ça c'est prêt d'avance. Qu'est-ce qu'elle veut, madame? Deux frites, un appui de luxe sans laitue. Alors, un appui de luxe, ça c'est... Appui de luxe, c'est celui de bave avec un steak et une boisson. Deux frites, un happy de luxe. Avec un truc en particulier, happy de luxe ou pas du tout? Happy de luxe sans salade. Hop. Cornichon, fromage. Pouf, cornichon, vraiment foutage de gueule.
Tac. Hop, une boisson. Et deux frites. Et lui, comment ? Toujours pas cuit ? J'arrive pas à m'en rendre compte. C'est cuit ça ? C'est cuit ou c'est pas cuit ? C'est pas clair. Ça, c'est cuit. Ok, y a quelqu'un qui est juste là. Tout va bien. Y a des trucs chelous. C'est tout va bien, c'est normal, c'est Jerry, c'est... tout va bien. Hop. Allez madame, cassez-vous. Ah Jerry ! Toujours aussi chelou, hein. C'est tout va bien. Tu as un tender Happy Doix sans oignon, des nuggets de saumon, un shake et un soft drink. Ok. Hop. Un quoi? Happy Deluxe sans oignon. Oui, un Happy Deluxe sans oignon. Un Happy Deluxe sans oignon. Hop. Des nuggets. Alors, hop, un burger. Des tranches de laitue. Ça, c'est des pickles. Fromage. Hop. Petite tomate. Ça, c'est pas cuit encore. En attendant que ça soit cuit. Tac. Hop. Hop. Attends, mais midi, hein, seulement check soft drink. Ouais, elle veut une complète. On est d'accord. J'entends un bruit chelou. Oh putain! C'était quoi, mais ça m'a fait part de la santé. Paf, paf. Et voilà, madame. Oh putain, y a un truc invisible qui se balade et qui vient de me faire perdre des points de vie. Check it. Soft drink. Ok. De checker. Ah! Putain. Rien ne fonctionne ici, hein. Checker. Ok, je peux les lancer de loin. Voilà pourquoi les boissons et les McFlurry ils s'ouvrent avant que tu sois rentré chez toi. Ils étaient déjà ouverts. avant d'être servi quoi. Là, on joue au basket avant. Hop, ça c'est bon. Hop. Voilà, une autre cliente de satisfaite. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Des fries. Ok, des frites et des frites. Il va falloir que je relance des frites. Hop. Ok, donc ça c'est bon à savoir. Tout ça, je vais relancer les frites quand même. Fries, non. Relancer les frites. Alors qu'est-ce qu'elle veut madame ? Des fries et salmon nuggets et des nuggets de saumon. Ça doit être dégueulasse hein. Voyons. Tu as fini ta journée de travail. Ah ouais, j'en fais quoi de ça ? D'accord ? Bon bah je les jette hein. Ouais, oh, quel gâchis hein. Quel gâchis putain. Complète toutes ces tâches, voilà ton bonus. Aïe aïe aïe. Toujours plus d'argent. Allez bon bah Jerry, je te laisse faire la fermeture. Hein. Voilà, tu te débrouilles avec les frites. Hein. Moi c'est bon, j'ai fini. Hein. Je rentre très vite chez moi. Ah oh, gamin et sale gosse. J'ai envie d'aller me perdre dans le toboggan un peu, mais... Ils ont dit que ça puait du cul un peu ici. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Je vais quand même redescendre parce qu'en fait ça me fait un peu flipper d'être là-dedans.
Je vais rentrer sauvegarder quand même. Ouais, en vrai, je suis pas rassuré d'être là. Je sais que c'est pas des graphismes photoréalistes, mais il y a quelque chose de très lourd et très creepy dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre, je me barre. Moi, j'enquête pas ici. Si le jeu me dit à un moment faut que j'enquête, j'enquêterai, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'enquêter. Ouf. Ah. C'est bon d'entrer. Horrible cette ville. Hein. Les villes dans Vampire étaient plus accueillantes. Hein. Il y avait un peu plus de vie. Alors que pourtant, c'est que. C'est... That's new? Quicker. Ah non, ça c'est l'hôpital. J'y suis pas allé, effectivement. Bonjour! Bonjour tout le monde. Une petite note là. Paragon n'est jamais parti. The Old Shell Company, The Government. Ils ont l'énergie pour eux. Ok. Somnifère, tu n'arrives pas à dormir? Les somnifères gros dodo sont là pour toi. Et c'était pas tout. Ils ne te font pas rêver. Nous te remboursons intégralement. Une seule dose par nuit. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, je peux pas prendre autre chose. Merde. Qu'est-ce que je peux acheter dans le coin là? Il y a que là-bas là où je peux acheter des trucs. Ça se voit, il y a pas la sécu. Ah, les États-Unis, hein. Il n'y a pas des lois aussi. Il n'y a pas des lois logiques et intelligentes aussi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on vendait ici? Plus symétrise, balayoire, jukebox, TV écran plein. Bombe de peinture. Jack-o'-lanterne. Non, c'est bon, j'en ai assez. Pareil photo, pile bobo. Bar humble. Parfait quand on a un petit creux. Je l'ai eu là? Il est où? Pick up your purchase at the front counter. J'ai loupé un truc ou je suis débile? Ah, c'est là! Ok, d'accord. Hop. Voir ça, ça me redonne un peu de vie. C'est toujours ça. Tout est effrayant ici. Hein, y a pas de sécu, y a pas l'air d'avoir de docteur non plus. Hein. Ça a l'air d'être juste un distributeur de médoc. Des ordonnances? Qu'est-ce que c'est une ordonnance? Triple Jeezy, Jazzy, Java Point. On va se prendre un petit café. Hein, j'ai plus d'énergie. Un très fort. Moi je veux juste un fort moi. Et tous les bruitages. Il est où mon café là? Ah le petit café, le petit triple G. Il prend un peu beaucoup de place. Hein. Voilà, on a besoin de... Qu'est-ce que t'as besoin d'autre dans la vie à part? Du café. Une boutique de meubles SM et des médocs. Contre soirée, on va répondre. La bière est où? Où est la bière? Ah, le café est pas totalement du café. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une boîte aux lettres. Ok. Où est la bière? Elle est où la bière? Qu'est-ce qu'on fait sans une petite mousse là? Alors ici, il y a quoi déjà? Bar Humble, conserve de luxe périmé, Charlie Poulet Zen, une figurine, 5000 saumons. Moi j'ai envie de la prendre. Pour avoir une petite collection de figurines. Voilà. Bonjour. Il a pas bougé. Je vais finir par appeler la police à un moment. Cookie and Hot Pies. Ah, ça m'annonce ce que je vais faire demain. Restez dehors là, monsieur. C'est les couilles. C'est un peu frustrant de pas pouvoir mettre la figurine comme je veux. Elles sont où mes autres figurines d'ailleurs? Ah non, mais je suis un connard.
Putain, ça me fait courir au billet. Waouh! Ah oui, y a pas que du café dans le café, je crois. Hein. MDR. L'espace. Venez chez nous. Nos burgers sont incroyables. C'est quoi The Bard déjà? C'est la ferbe? S'échapper de la ferbe? MDR, ils annoncent que c'est un bottle épisode. Ça pas l'air. Mais non, c'est pas une Funko Pop. C'est très bien. Ah, faut arrêter de Funko Shabby les Funko Pop. Hein. C'est des jouets, mais c'est pas des figurines, c'est vrai. Et c'est des beaux jouets. Il est bloqué dans une bouteille et il fera face à sa démon à travers cette bouteille. Un tour de force expérimental. Experimental tour de force. From the bird. Incroyable télé. Non, elles sont horribles. Ok. Alors, Happy Humble contrôle la ville, clairement. Je veux un dessin animé avec ces persos. Hein. Là, ils ont juste fait bouger des JPEG. Ils sont pas foulés. Toi, quand t'as essayé de faire des vidéos sur YouTube un peu animées en 2005. MDR, et à la fin, parle en japonais. Tout ceci n'a aucun sens. À quoi servent les médecins quand on a des pilules? Les capsules, nom du médicament, calme-moi, tout de suite. Les capsules, calme-moi tout de suite. On va rester longtemps devant la télé. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça fait réfléchir. On vit dans une saucisse. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont un propos? Voilà. C'est pas comme ça que je fais la bouffe là-bas. Hein. De la pomme séchée. Ah ouais, on a ça. Il fait chier. And hot pies! Le plat préféré de l'Amérique. Les tartes aux pommes. Où sont les figurines que j'ai achetées? Parce que j'en ai acheté et j'en ai ramené pas mal en vrai. Où sont mes figurines? Il y a une bouche chelou dans mon appart. Tout va bien. Voilà, elle est très bien là. Mais j'ai une télé qui me sert à rien dans ma chambre en plus. On vit dans une saucisse. Ok, allons au travail. Nouvelle journée. It's a new day. New life. Qu'est-ce que c'est ça? Une écharpe géante. Oh, c'est quoi ça? Farmyard Festivity. Début de sortie after the Great Cynthian War. Après la fin de la guerre. It was quick shit. C'est la petite comédie after an intense conflict. Desert, I was made by cartoonist, mais ok. Happy the Humble Laser. Pity the Portly Pig. Farmyard Farm Titi. Ah, j'ai la flemme de tout traduire. Alors, vraiment, ils ont pas fait d'effort. Hein. Happy Humble and Jigs. C'est tout le temps les mêmes persos en fait. Ah, c'est lui le mec creepy en fait. Ah ouais, la figurine, la statue qu'on a ne lui rend pas du tout hommage. Putain, mais c'est infini. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont eu la flemme de tout traduire. Wouah, Escape from the Barn, s'échapper de la ferme. Ah ouais, ça a l'air violent comme dessin animé. Ah ouais, d'accord. Ok. L'histoire de Happy Humble. Ok, d'accord, il y a eu des jeux et tout. Ah, d'accord. Ok. Tout est normal, tout tourne autour de 4 personnages et personne ne dit rien. Ouais. Bon,
retournons à... Bonjour. Waouh, incroyable, vous avez fait une progression, maintenant vous êtes dans l'escalier. Ouais. Tromper des types de pain ou d'ingrédients peut faire toute la différence quand on prépare un hamburger. Oui. Je sais même pas d'où vient le bruit. Mais ce bâtiment, on dirait, il flotte. Il m'a dit de retourner chez moi, mais j'ai pas envie de retourner chez moi. Moi, il y a un bruit là. Je cherche de l'action. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Ah ! Ah. En accident. Et comme tous les pélos, on va aller voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est les histoires? Construction entre... Ah, ok. Peut-être qu'il fallait pas faire ça. Je rêve où il y avait marqué tu as fini en hamburger comme happy. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils vendent ici? Des piles bobo. Barnier and Billion, c'est ton jour de sorte, pour le savoir gratte le ticket. Oh, j'ai gagné 10 crédits. Alors, il y a beaucoup de stuff là, ce qui est pas rassurant. En général, quand on t'offre du stuff dans un jeu, dans une zone qui a l'air de craindre. Process must be turned on in order or risk electrical shock. D'accord, alors, c'était pas dans ce sens là. Mais attends, mais on dirait mon fast food. Ça sent le cochon grillé, si tu savais montrer ce que tu sais faire derrière les fourneaux. Ouais. Alors attendez. Alors attendez, il y a un sens. Ce bloc diffuse du courant électrique à divers objets, où les fils peuvent-ils bien aller? Alors comment je sais quel est le premier? Là c'est bleu. Ok, c'était pas ça le premier. Ok. Tube de colle. Je sais pas à quoi ça peut me servir. Bar Humble XL. Sort de luxe, conserve. Soumis son nom. Le fermier numéro 12. Formule la pile Humble. Bar Humble. Pile Bobo Cell. Alors comment je sais dans quel. Non, tu rêves pas. Merci. Ça c'est rouge. Il y a le bleu qui va là. Notice keep all light lourds. Oh. Ok, le rose il va là-bas. Color... Ah, ok. Alors, ça a l'air d'être vert. Vert, jaune, noir. Vert, jaune, noir, bleu. Rouge. Attends, il y a un symbole à chaque fois. It's color coded. Alors, un trait. Extraction, I must demand.
Alors le verre numéro 1 normalement. Ok, le verre s'est allumé. Alors je me souviens plus c'était quoi après. Vert, jaune, noir, bleu. Vert, jaune, noir, bleu. Jaune. Jaune, ça a l'air d'être au fond là-bas là. Jaune, ah jaune c'est là. Jaune, ici là. Jaune, ok. Noir. Bleu, rouge. Bleu. Et rouge. Les rouges, c'est le premier auquel je me suis, sur lequel je me suis grillé. Peu de neurones que j'ai. Rouge. Bonjour. Et je fais quoi maintenant? Et qu'est-ce que je dois faire? Faut faire par le moment pour trouver le moyen. Happy Humble Burger Barn. Bonjour. Ah oui d'accord, ok, c'est des explosifs. Wal wal wal. Ouh. Alors attendez. Bonjour. Alors j'ai mis deux salades. Je pense qu'il y a un bail à faire avec ça. Hop. Mais là je dois envoyer des steaks là-dessus là, mais j'ai pas de steak. Où est-ce que pourraient être les steaks là? Ok, j'ai tout sauf les steaks. Ils doivent être quelque part. Les steaks étaient dans un sont dans un congèle. Donc si c'est une copie de mon resto. Le congèle était... Ah, le congèle... Le congèle est là. Le steak. Ok, mais c'est des steaks pourris, ça. Bonjour. Excusez-moi. Et si je passe à côté d'eux, ils explosent, tout va bien. À quel moment je sais qu'un steak avarié c'est cuit? Je sais pas lequel j'ai mis en plus en premier. Ah merde. Attendez, une petite barre. Aïe! Ah mais non, ils sont devenus grillés! Mais quel connard! Ouais, comment je reconnais un steak qui est avarié cuit? Il avait l'air encore congelé. Bonjour! Ouf. Joie, plaisir, bonne ambiance. Beaucoup de santé. Ah
Ok, alors j'ai un burger là. J'en fais quoi maintenant? Ah putain, mais quel connard. Faudrait que je trouve les sacs, c'est ça? Là, y'a pas de sac. Y'a pas de plateau à sac. Techniquement, le plateau. La fabrication de sacs devrait être dans le coin, mais. Ok, je lui ai fait un burger. Ok. Ça a l'air d'être ça. Confirmation. Aïe. Et vous êtes un peu oppressant. Hop. Aïe. Bonjour. Wouh. Ouh loulou. Ok, le burger est complet. C'est ça que je voulais faire. Et comment là? C'est à peu près convenable. Ok, c'est bon, on en prépare un deuxième. Une phase à 3 comme souvent dans, dans ce genre de jeu. Ok. Aïe! C'était moi ça? Non? Aïe! Wow! Attends, il a détruit mon burger hein. Attends, il n'y a plus de burger là. Où est mon burger? Oh, le con de toi. Oh là là. Faut tout recommencer. Faut tout recommencer, j'adore. Hop. J'ai mis le pickle, le fromage, l'oignon. Mon baïnois. Je vais aller reprendre à manger, je suis en train de dépenser toute ma thune sur ces barres. Ouais. Tiens. Oh putain. Encore hein? Non, c'est bon. Damn. Eh ben putain. Conserve de luxe.
Mais quel connard. Ouh, c'était chaud cette phase. Ok. Alors la viande avariée peut se transformer en dynamite, on est d'accord. J'ai toujours su, hein. Ne mangez pas de viande avariée. Quoi ? Il avait une fermeture éclair dans le dos. What the fuck ? Ah, c'est horrible. Il grogne encore, là. Modèle qui a fort fusionné avec un animatronique. Paragon, c'est la boîte qui gère tout ça. Il est marqué quoi là-dedans ? Caution, l'asset Peter est très hostile, comme tous les autres assets. La mascotte métallique qui sert d'exosquelette a fusionné avec son matériel génétique, son matériel organique. The growth emerge into a sentient. Ça fait une sorte de créature conscience. À gérer avec une extrême précaution, d'accord. Lucidius Initiative. Où am I? Ok. Il est toujours en vie, hein, on est d'accord. Tu as trouvé une recette, rentre chez toi pour la préparer. Horrible. Et horrible. Ok, bon bah rentrons. Ah non, je dois aller au boulot quand même. J'ai eu un peu de retard quoi. Tout petit peu de retard. C'est dangereux que tu es seul. Regarde ce pauvre Théo. Toi. Ok, je vais quand même fouiller aux alentours. Ou pas. Quoi ? Ah oui non, c'est volontairement... D'accord. Ok. On me fait croire qu'il y avait un chantier ici en fait. MDR. C'est genre... Ah putain comment... Ah mais non mais vraiment toujours au pire moment que j'ai des trous. Ah. Caméra, Jim Carrey. Ah. C'est un des films les plus connus au monde. Et j'arrive pas à le retrouver. Non, je peux pas grimper. Ok. Je ne peux pas grimper. D'accord, ah ouais, même le bulldozer ici, d'accord, c'était de la... N'existait pas. Et qu'est-ce qui a provoqué l'explosion ? Il y a quelqu'un qui essaie de m'aider, en fait. En vrai. Cassons-nous. Ok, ok, let's go. On va arriver au boulot et on va nous se prendre. Tu as perdu ton temps au grill, on dirait. Et nous, on va se prendre une petite pause. Le stream. Je reviens tout de suite sur ce. La Rediff, je vous fais des gros bisous salés. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est Let's Play d'Aurore. Et de passer faire un coucou sur le stream. Premières impressions à chaud, ça a l'air sympathique. Je sais pas ce que le jeu nous réserve. En vrai, il y a des très bons retours, mais vraiment, je n'ai rien vu du jeu.
Je suppose, résultat, qu'on va peut-être affronter 3 ou 4 boss, chacune représentant les marionnettes, et essayer de continuer à vivre notre vie, essayer de découvrir le secret qui entoure cette ville très chelou, où il se passe des trucs encore plus chelous. Voilà, donc c'est plutôt cool, moi j'aime bien l'ambiance, vraiment je suis Tandax, hein. C'est très lourd, c'est très pesant, c'est très austère, mais ça marche énormément, je trouve. Et c'est ce qui me plaisait quand je voyais des vidéos de ce jeu. Sur ce, n'oubliez pas la recette, les cuisines ferment la porte, et à bientôt dans une prochaine VOD.